Alors aujourd'hui, à Histoire de Saints, on ne prend pas un saint en particulier, on les prend tous. Alors, en fin de semaine, d'une façon spéciale, on fête la fête de la Toussaint, hein, le 1er novembre. C'est rare que ça arrive la fin de semaine cette année, donc c'est fêté le dimanche exceptionnellement. Alors, j'ai mis mes habits de grand apparat pour l'occasion, hein, parce que l'Apocalypse, et même dans l'Évangile, hein, on nous dit que quand on va être appelé à rentrer dans le royaume, on va nous donner un vêtement blanc. Hein, ce vêtement blanc qui est le signe, justement, des saints et des saintes, hein, qui sont appelés à passer dans le royaume. Alors, allons découvrir ou redécouvrir cette fête de la Toussaint. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un saint ou une sainte? C'est quelqu'un qui a suivi l'exemple de Jésus-Christ et a cherché à vivre intensément de son évangile, c'est-à-dire de son message d'amour, dans sa propre vie. Quand cette personne décède, elle est associée alors pour toujours à la gloire de Dieu en entrant dans son royaume, dans le ciel. Parfois, il arrive que leur vie et leur vertu aux saints et saintes soient officiellement reconnues par l'Église. Et ils sont donnés à ce moment-là comme modèle aux croyants et croyantes. Comme le dit son nom, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints et saintes du ciel. Alors, dans une seule solennité, on fête alors à tous les élus qui partagent désormais la joie de vivre ensemble en Dieu et avec Dieu dans son royaume. C'est un bonheur sans limite, hein, parfait. Contrairement aux fêtes de Noël, de Pâques ou de la Pentecôte, la fête de tous les saints ne tire pas son origine des textes bibliques. Dès le IVe siècle, l'Église syrienne avait pour coutume de consacrer un jour pour fêter tous les martyrs qui, déjà à l'époque, étaient tellement nombreux que c'était impossible de les fêter individuellement. Donc, on les rassemblait tous dans une même fête. Trois siècles plus tard, dans un effort pour christianiser les traditions païennes, le pape Boniface IV a décidé de transformer le Panthéon, qui était un temple qui faisait honneur à tous les dieux de l'Empire. Il l'a transformé en une église consacrée à tous les saints. Cette coutume s'est ensuite répandue dans tout l'Occident, bien que chaque église locale célébrait la fête à une date différente. C'est en l'an 835 que la date de la Toussaint a été fixée au 1er novembre. Dans l'église byzantine, en Orient, c'est le dimanche après la Pentecôte qui est consacré donc à fêter tous les saints. Quand on pense aux saints et aux saintes, revient sans doute à l'esprit ces grands modèles de vie chrétienne. On en a une d'ailleurs derrière nous, Sainte Marguerite Bourgeois, qui est la patronne de la paroisse ici. Il y en a d'autres qui sont, je dirais, encore plus universels, qu'on a à penser qu'à Saint François d'Assise, Mère Teresa, Saint Antoine de Padoue, Saint Dominique, Sainte Catherine de Sienne, il y en a pour tous les goûts, hein, des saints et des saintes. Ceux-là, bien, ils ont été canonisés, c'est-à-dire qu'ils ont été reconnus officiellement par l'Église et leur sainteté rayonne donc sur tout le peuple de Dieu. Mais bien qu'on les aime beaucoup, ces derniers, souvent, on les trouve inaccessibles. On trouve qu'ils sont plus admirables qu'imitables. Et on a alors la tentation de penser que la sainteté, ça, c'est réservé seulement à une élite. Mais la fête de la Toussaint a justement la particularité de proposer à notre vénération aussi la multitude de saints et de saintes qui n'ont pas été canonisés, hein, qui étaient des gens, je dirais, ordinaires, inconnus, anonymes la plupart du temps, ceux qui sont connus de Dieu seul. Ils sont infiniment plus nombreux que les premiers, hein. Une foule immense, nous dit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, une foule que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue.
Alors, eux aussi, ces gens-là, ont vécu la fidélité de l'Évangile dans leur vie quotidienne comme de rayonnants témoins de Jésus-Christ. Leur vie, souvent toute simple, n'avait la plupart du temps rien d'extraordinaire, du moins de manière visible, et rien de miraculeux non plus. Parmi ceux-ci, évidemment, on ne retrouve pas seulement des papes, des évêques, des prêtres, des religieux religieuses ou des martyrs. On retrouve des gens de toutes les formes de vocation et états de vie. La plupart du temps, ça doit être évidemment des laïcs, soit des gens mariés, hein, qui ont vécu le sacrement du mariage et qui ont élevé leurs enfants du mieux qu'ils pouvaient en donnant leur exemple, ou encore des gens célibataires, consacrés ou non, hein, qui ont vraiment vécu avec sérieux à la suite du Christ. Parmi ces saints et ces saintes qu'on fête à la Toussaint, il y a bien sûr, on l'espère, un grand nombre de nos devanciers, hein, dans la foi, dans nos propres familles, des gens donc qui ont vécu tout simplement et qui sont déjà rendus avec Dieu. Pour exprimer ça, il y a 3 ans environ, j'ai vu à la télévision, peut-être qu'ils l'ont vu parmi vous, un témoignage qu'un jeune homme donnait. Lui, il vient de la région de Québec. C'était à l'émission Bain public. C'est Guylaine Tremblay là, qui était l'intervieweuse. Et le gars, il disait que lui, il avait vécu sa jeunesse dans les années 80. C'était un gars de party beaucoup. Il était tombé dans l'usage de la drogue. Il était comme resté accroché. Il n'avait jamais vraiment décroché. Puis à cause de ça, il était en train de tout perdre. Il avait perdu sa femme, son travail, sa voiture. Finalement, il était sur le bord de perdre tout ce qui lui restait. Alors, il dit qu'il s'en allait en bicycle à un moment donné et qu'il pensait à tous ses problèmes. Puis sans trop s'en rendre compte, il a passé devant chez lui. Il s'est ramassé au milieu d'un cimetière. Et puis, je vous dis ça parce que c'est en lien avec la Toussaint, hein, qui est juste proche de la fête de tous les défunts qu'on fête le 2 novembre. Alors, il arrive au milieu du cimetière, il se lève la tête, puis il voit la multitude de pierres tombales qu'il y avait là. Et de son cœur, il jaillit comme une prière, il dit, « Je ne peux pas croire à la gang que vous êtes là, vous autres, que vous ne pouvez pas m'aider. » Et à partir des jours suivants, il a été capable d'entreprendre une démarche où il a avoué le problème qu'il avait, ce qu'il n'avait jamais été capable de faire. Il est allé chercher de l'aide. Et finalement, au moment où il faisait le témoignage, ça faisait 10 ans qu'il avait pu toucher hein, à la drogue. Alors, c'est pour dire que la communion des saints, là, hein, ces saints-là, là, hein, qui ont vécu là, parmi nous autres, là, ben, c'est une réalité. Hein. Alors, c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous autres. Alors, la fête de la Toussaint vient nous dire aussi, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, que de par notre baptême, nous autres, on est tous appelés à la sainteté. Dieu veut nous faire participer à sa propre sainteté à lui. Hein. C'est dit dans la Bible, hein, Dieu seul est saint. C'est lui qui est la source de toute sainteté.
et il veut donc nous y faire participer. Et bien que le message de l'Évangile est le même pour tout le monde, bien, il y a autant de chemins pour parvenir à la sainteté qu'il y a de personnes puis de personnalités. Hein, parce que l'Esprit-Saint veut conduire chacun, chacune, d'une manière bien particulière. Alors, à vous de prendre cette invitation à devenir un saint, une sainte.